J'apprends à lire avec Samy et Julie, Samy en classe de mère. Les personnages de l'histoire, Léo, Tom, Loïc, Samy, Madame Alpha, Zoé et Julie. Surtout, n'oublie pas ta serviette, précise maman à Samy. C'est le grand jour, Samy part en classe de mère. Quelle chance tu as, ronchonne Julie un peu jalouse. Profites-en bien, mon chéri, dit maman en l'embrassant. Écris-nous, ajoute papa avec un gros câlin. Tu vas nous manquer, réplique Julie en caressant Toby. Tous ont le cœur gros. En voiture! Enfin arrivés, les enfants découvrent les lieux. Oh, que c'est beau, s'exclame Samy. Prenez vos affaires et allez vous installer, demande Madame Alpha, la maîtresse. Les flots bleus. Le lendemain, les enfants retrouvent Loïc, leur moniteur, pour explorer la plage. Là, une étoile de mer, s'écrie Zoé. Et regarde ce coquillage, lui répond Samy joyeusement. Ce sera pour Julie. Aïe, 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 hurle soudain Madame Alpha. Un crabe lui a pincé l'orteil. Loïc accourt pour l'aider. Merci, vous m'avez sauvé. Mais il est minuscule. De retour en classe, la maîtresse interroge les élèves sur la marée. Je connais, dit Samy, elle peut être haute ou basse. C'est à cause de la lune. Bravo, répond Madame Alpha, c'est exactement ça. À présent, vous allez écrire une lettre à vos parents, annonce la maîtresse. Tous les enfants prennent leur stylo et commencent à raconter leur séjour. Chers papa et maman, Julie et Toby, j'espère que Toby va bien. Hier, nous avons marché sur la plage. J'ai ramassé des coquillages. Je m'amuse bien. Le jour suivant, une sortie en mer est organisée. Nous allons naviguer, explique Loïc en jouet. Soudain, Léo se prend les pieds dans les cordages. Il tombe sur Samy, patatras. Mettez les voiliers à l'eau, déclare Loïc. Et hissez haut, ajoute la maîtresse gaiement. Mais Samy glisse en montant dans son bateau. Splatch, le voilà trempé. Les deux garçons rient aux éclats. Une fois sortis, tous les bateaux se retrouvent au large. Les élèves apprennent à diriger leur voilier. « À gauche !» lance Zoé à Léo. « On dit à bâbord !» précise Léo. De retour au centre, une surprise attend les enfants. Loïc a préparé des pistolets à eau. La bataille d'eau peut commencer. Tous s'aspergent gaiement. Quelle rigolade ! C'est la fin du séjour. Madame Alpha et Loïc ont organisé une fête. Tout le monde s'amuse. Un buffet est dressé. Loïc annonce. Au menu, nous avons des crevettes et des pinces de crabe, ajoute la maîtresse en riant. Vive la classe de mer! As-tu bien compris l'histoire? Où Samy part-il? Avec qui? A-t-il peur ou est-il content? Qu'arrive-t-il à la maîtresse sur la plage? Sais-tu ce que signifie ICO? Pourquoi Samy tombe-t-il dans l'eau? Et toi, qu'en penses-tu? Et toi, es-tu déjà parti en voyage avec ta classe? Es-tu déjà allé à la mer? Sais-tu nager? Est-ce que tu as déjà mangé des crevettes ou du crabe? Aimerais-tu naviguer sur un bateau? C'était Samy en classe de mer.